Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin, avec nos petits Tinikin roses et rouges, même si vous voyez sur l'image de fond qu'il y aura d'autres couleurs, peut-être dans cet épisode, peut-être pas la réponse tout de suite. Donc on était rendu ici, on s'était quitté en prenant un petit peu de hauteur. Et on avait découvert une des quêtes secondaires, qui est s'introduire dans le piano et retrouver Mélodie. Sachant que notre quête principale est aider les punaises avec le cantique. Puisque les punaises veulent diffuser le cantique d'Arduin qu'elles sont les seules à entendre. Alors, oh, coucou vous, coucou vous, l'angle de vue de la caméra est très étroit, ok, c'est passé, on a tout récolté, ce qu'il y avait ici. Et mon angle de vision me permet pas de voir grand-chose de plus. Par contre, je peux ressortir de cette règle. Et de toute façon, je suis un petit peu coincée puisque faut que je remonte. Donc, vous avez vu que pour l'instant, ma capacité de vol n'est pas très élevée, hein. Ça se voit, hein. Il y a des moments où tout simplement je ne peux plus voler. Ah bah j'étais déjà venu ici et j'ai pas vu ça. Ok. Du coup je peux pas remonter ici. Mais je peux remonter là. Il y en a là. Un Rubik's Cube! Ici, on va pousser. Parfait. C'est encore assez énorme. Ici, on a des petits bonus. Sont techniquement pas des bonus hein, si vous voulez faire la totale, la complète et obtenir tous les pollens, même s'il n'est pas nécessaire d'obtenir tous les pollens pour finir les objectifs et finir la zone, sachant que si vous ne complétez pas la zone, même si vous la complétez, il sera de toute façon possible d'y retourner plus tard. Donc ici, on a débloqué une petite ficelle de soie, c'est parfait. Je prendrais bien encore une poêlée de carottes, mais j'ai encore quelques milligrammes à perdre. Tant pis pour le régime! Un régime de quelques milligrammes, ça... Ce qui est assez aussi agréable avec ce jeu, c'est que clairement les contrôles ne sont pas trop punitifs. Oh, vous êtes ce type bizarre qui vient d'arriver. Désolé, je veux pas vous manquer de respect, je suis le propriétaire de ce noble établissement. Les rumeurs circulent vite ici, Ophélix. La clientèle, c'est des touristes, des bourlingueurs. Toujours content d'avoir une histoire à raconter. Enfin, hein, c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un qui vous ressemble. C'est pas fou ce qu'on prépare ici. Mais on met du pollen dans tout, ça donne du goût. Et ici, on a quelque chose. J'en ai plus. Ah, il faut que j'en trouve. Je n'ai pas assez de petits violets. Hé hé, le patron va adorer cette nouvelle table. Noir profond, finition brillante. Le seul bémol, c'est que... Je peux pas en avoir d'autres, elle est tombée de je sais pas où la nuit dernière.
J'ai failli me faire assommer. Mais si ça manquait à quelqu'un, il serait déjà venu ré la réclamer. Donc il me faut des petits violets. Ah, il y a des rouges ici, c'est bien aussi. Mais essayez de pas trop s'éparpiller, hein, c'est toute la difficulté du jeu. Je peux monter ou descendre avec ces choses-là. Est-ce que je continuerai pas du côté du piano? J'ai pas l'impression de voir de petits tinitines comme j'en ai besoin. Et je viens de rater mon saut comme une grosse patate. Voilà, on remonte. Là, il y a des rouges. Moi, je voudrais des violets. Mais je vais pas me plaindre, c'est déjà bien. Hop, ici il y a quelque chose. Ok, quelque chose que on peut porter avec un seul tinikin. On explose, hein. On loot. Pas de quartier. On déjoue les pièges. Les petites tables avec les bouchons et les crayons. Est-ce que je peux monter? Comment puis-je monter? Sans doute par en haut, par en bas. Des petits rouges encore. J'aimerais des violets. Cher jeu, puis-je avoir des violets? Cher jeu, j'ai laissé des rouges là. Ah! Juste sur le bord. Faut pas tomber. Parfait. On prend les rouges. Ah, j'en ai oublié un. Il y a des VHS. Je suis pas venu là. Ah, bah oui, grosse cachette secrète. Est-ce que je peux descendre? Est-ce que c'est un intérêt? Oui, c'est un intérêt. Sauf que. On va tomber doucement. Hein. Je sais pas où je suis. Mais ça avait un intérêt. Ah, des petits roses. C'est parfait. Une dame de charmante compagnie avec qui je passais un délicieux moment au fragile m'a parlé de sa mésaventure. Une de ses plus précieuses gemmes serait tombée dans cette boîte à images. Vous avez tout l'air d'un gaillard agile. Voudriez-vous bien entrer là-dedans et remettre la boîte à images en marche? C'est le seul moyen de dégager la gemme. Cet outil pointu là-haut permettrait d'ouvrir le caisson. À mon avis, il vous faudrait bien deux bulles de vol pour l'atteindre. Et pour l'instant, on n'a qu'une seule bulle. Il serait préférable que je ne sois pas vu en train de fureter dans les parages. Ramenez-moi la gemme si vous la trouvez. Ok, donc on a un nouvel objectif disponible. C'est parfait. Et j'ai quelques tinikines roses en plus. Ce qui est parfait également. On va vérifier qu'on n'en a pas laissé là. On a laissé. Ami voyageur, vous l'avez remarqué vous aussi, non? Le dessin de Tardigrade sur la relique que les punaises ont trouvée. Identique à celui au-dessus du meuble de la machine cryptique. Ils vont bientôt s'en rendre compte. Ils seront contents. Mieux vaut les laisser tranquilles. Soyez prudents, voyageurs. Merci,
Timoraï pour le conseil. Ça me paraît effectivement être un conseil avisé. Ok, un truc à détruire qui ouvre des machins, c'est toujours bien. Et on trouve une lettre. Pas de courrier aujourd'hui, mon pote. Nos facteurs se sont fait la malle. Apparemment, ils ont laissé leur cargaison en plan. Steve trouve des enveloppes qui traînent dans son tar. Tu veux bien les déposer dans la boîte aux lettres devant le guichet? Eh bien, on vient d'en trouver une. Donc, on va le faire. Voilà, donc on sait qu'il y a des enveloppes. Attends, mec! Tu te pointes pas à un bureau de poste en espérant que le guichet soit ouvert, si? Donc, on va avoir des petites enveloppes à récupérer. C'est parfait. Ces petits endroits. La troupe des punaises est de retour à Sanctar! C'est ça, mon petit? C'est bien, c'est bien. Mon petit Bobby One doit être avec eux. J'espère qu'il passera voir son vieux maître. C'est une blague? Une demi-douzaine de flets pour une seule miche de pain? C'est le prix en ce moment. Presque plus aucune marchandise n'arrive d'Ambrose en ces temps-ci. Avec le peu de farine que j'ai, estimez-vous heureux que je puisse encore faire du bon pain? Du bon pain? La bouffe de l'ergot doré a toujours été à peine comestible. Maintenant, en plus, elle est hors de prix. Je vais aller troquer ailleurs. C'est ça. Et quand vous reviendrez demander pardon, vous pointez pas sans une bonne douzaine de flets. C'est la crise, mon vieux. Les prix, ça grimpe. La crise des prix, ça touche aussi le pain ici. Bonjour, jeune larve. Ce n'est pas un endroit pour toi ici. La dernière mutte, une maison de repos pour les vieux insectes à la chitine usée qui veulent finir leur vie près d'Arwin. Ben moi, je veux juste récupérer du pollen. Moi, je suis comme ça. Je dois pouvoir grimper de là en là. Casser les grosses bulles. J'ai failli tomber. Des grosses bulles. Des petits rouges. C'est bien, c'est bien. Je voulais des petits violets. Il m'en fallait 10, hein, des violets. Et on en a 7. Et c'est très marrant de leur sauter dessus. Dites donc voir la tignasse! C'est pas demain la veille que je laisserai un avorton dans ton genre rentrer chez de nets retraités sans frapper. T'en fais pas, mon cochonou. Il a l'air mou comme tout. Un coup de rouleau et je l'aplatis comme une crêpe. Je l'ai vu! Là-dedans, au fond du long placard. Un monstre gigantesque, couvert de poils. Le regard terrible des crocs mortels, prêt à me déchiqueter. Mais comment ça se fait que t'es encore là pour en parler s'il est si terrible, ton monstre? J'ai réussi à m'échapper par un interstice et j'ai bloqué l'accès. Tu crois que je vais avaler ça? Bon, on a besoin de quelqu'un pour trancher. Toi, là, avec la touffe bizarre, tu voudrais pas essayer de ramener une preuve? Un croc, des poils, un dessin. Une preuve qui montre qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Sinon, Dovak ne va jamais nous lâcher avec son histoire. Mais je sais, tu devrais aller voir Instagrette. C'est une fourmi célèbre dans le coin. Elle a un appareil qui devrait nous aider. Donc, on a un nouvel objectif disponible. Ça y est, on connaît les trois quêtes secondaires. Donc, on doit s'introduire dans le piano et retrouver Mélodie, révéler l'identité du monstre du placard grâce à l'appareil photo et réparer la télévision. On va s'en occuper tout à fait. D'abord, je vois des gemmes. Je prends les gemmes. Ça, c'est mon imageur!
C'est un Polaroid surtout, hein. On appuie dessus. On se met devant le gros œil de verre et paf! Il sort une image de ce qu'on voit. Il est un peu lourd, mais mes fans m'aident à le déplacer un peu partout. J'ai au moins une image de moi dans chaque pièce. Il est lourd comment? 25. On n'est pas prêt d'en avoir 25. Mais l'avantage, c'est que les petits rouges, on les consomme, puisque ils explosent et ils détruisent les choses, alors que les petits violets, on va les garder. Pas ad vitam aeternam, mais au moins tout le temps qu'on sera dans cette pièce-là. Toujours fouiller les recoins. Donc des petits rouges encore. C'est aussi pour ça qu'on trouve plus facilement de petits rouges que de petits violets. Hein, puisque vous voyez, il nous en fallait 30, il me semble, pour déplacer l'imageur, hein, comme ils disent. Mais du coup, ça va être 30 qu'on va pouvoir trouver, et on va peut-être trouver 40 ou 50 dans toute la salle. Donc au final, ça va se valoir. Je suis pas allée par là, il y a des petits violets, il y a des petits, un petit pont. Il y a encore plein de choses que j'ai pas faites. Mais oui, quand je vous disais tout à l'heure que les contrôles n'étaient pas punitifs, il y a même en fait un espèce de petit autofocus sur les choses à viser, qui aide quand même un peu en mode un petit peu d'aide. On a passé un temps fou à construire ce temple, mais est-ce que Arduin aurait apprécié? Je sais pas, mais nous on va allumer les lumières. Je suis pas allée par là, il y a d'autres lumières. Mais c'est vrai que pour un jeu... Ah bah oui, du coup j'ai pas ouvert là. Pour un jeu dont le principal intérêt est surtout de tout trouver, ne pas avoir à passer 15 ans à chercher les contrôles exacts pour... Surtout quand on est à la manette, hein, avec un petit peu moins de précision. Au niveau du viseur, c'est quand même super agréable. J'ai apporté un petit dessin d'Arduin à accrocher au mur, en offrande. Donc des petits violets, parfait. Défense de salir les murs du temple, vaurien. Mais sire, ce n'est pas mon intention, bien au contraire, je suis un bousier. Vous comprenez? Nous passons notre temps à nous occuper de la saleté d'autres créatures moins enthousiastes à cette idée. Trop de mots, trop compliqués, tu es sale, va-t'en! Les petites guéguerres des différents insectes. Ça aussi, c'est très plaisant dans ce jeu. Quel temple! Il manque de pics et de pointes à mon goût, mais quel charme! On est déjà à 600 pollens de collecter. Hein. On voit que les petites jauges montent. La petite jauge nous dit qu'il y en a 1000. On a déjà pas mal. Ah, des petits roses, c'est parfait. Ah, j'en ai plus. J'ai plus de... J'ai mangé tous mes rouges. J'ai mangé tous mes rouges, ah là là. Force de les utiliser. Ok,
une mauvaise idée. On va remonter. Un peu brutal comme intervention. J'apprécie le coup de main, mais évite de faire sauter le temple, tu veux? Ce qui nous avait demandé d'ouvrir la porte. Alors, bah du coup, je n'ai plus de petits rouges. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Et à nos ancêtres, Arduin dit. À l'arrogance, la fierté, vous avez préféré l'humilité et la compassion. À la bassesse et la discorde, vous avez choisi la bonté et l'entraide. Je n'ai plus rien à vous apprendre, vous serez désormais votre propre guide. Ma maison est désormais la vôtre. Et si un jour l'entente était mise en péril, souvenez-vous de ces mots, de ce moment et de cette voix. Car même parti, je verrai sur vous. Il en va de mon devoir envers les sacrifiés. Nous autres, Arduin, on l'entend pas, mais vu que je suis pas le moins intelligible, intelligent, je pense que c'est mieux de faire comme les punaises disent. Heureusement, les libellules répandront toujours ta parole. Et nous les écouterons jusqu'à ce que tu reviennes. Libellule qu'on va croiser, mais pas tout de suite. Gloire à Nardine et à la prêtresse! Arduin! C'est Arduin qu'il s'appelle, gros ozo. Gloire à Baldwin et à la prêtresse! Gloire à Baldwin et à la prêtresse! Gloire à Baldwin et à la prêtresse! Ah ben voilà. Les libellules vivent longtemps et se souviennent, Milodan. Vous avez été envoyé ici très récemment. Vous n'avez jamais été vu dans la maison. Mes yeux vous ont observé et mon cœur a ressenti votre méfiance. Vous ne comprenez pas notre ferveur, notre foi. Arduin, vous n'avez jamais été témoin des miracles qu'il accomplit. Nous ne subsistons tous que par sa grâce. En silence, dans l'ombre, il répare les failles dans nos murs, remplit nos stocks de denrées et s'assure de notre survie. Son influence commence partout et ne s'arrête nulle part. Ah bah du coup, on croise là une libellule. Ah, il y a une chose à ramasser, il en faut 5. Allons-y. On va les suivre. Minute! Pourquoi que les punaises attendent Arduin toute la journée et pas vous? Arduin a ses raisons que même nous ignorons. Il a choisi les pieuses punaises comme vaisseau. Il ne nous revient pas de remettre en question les actions du créateur, Thomas. Hé, vous n'allez pas, j'ai besoin de vous. J'ai encore plein de choses à faire. Donc ils vont aller par là. On voit les petites flèches. Hein. On se pousse pour qu'ils puissent passer. Et ça nous libère une bulle de pollen. Bonus caché, secrète, qu'il fallait débloquer tout simplement. Et du coup, moi j'ai utilisé tous mes petits rouges. Faudra peut-être que je revienne du coup. Notre oncle il dit que dès qu'il y a un pépin, faut venir prier au grand Arduin. Il répond jamais, peut-être qu'il est juste timide. On note un Rourou, Foufou et Lily. Hein? Donc je n'ai plus de Tinikin rouge. Il y en a au bout. Donc il y en a 4. On va en utiliser 3 pour faire ça. Ce qui nous débloque également une bulle bonus. Qui ne doit pas être très loin. C'est ça. Ah,
parfait. Et on va utiliser un autre pour faire ça. C'est parfait. Même moi, je suis pas assez vieux pour m'en souvenir, mais du temps d'Arduin, nous autres punaises vivions dans les jardins, avec les mantes. Elles n'étaient pas encore devenues givrées, croyez-le ou non. C'est quand il a disparu que les libellules ont demandé notre aide. Les dynastes qui les protègent sont bons pour cogner sur des trucs, mais quand il faut faire marcher le ciboulot, mieux vaut compter sur nous. Ha ha! Et on va profiter de nos derniers tinikins rouges pour récupérer ceci. On n'a pas été du côté du fauteuil. On n'a pas été de ce côté-là non plus. Oups. Avec le petit banc qui nous fait regarder là. J'en ai plus qu'un, donc je vais le gaspiller. Est-ce qu'il y en a par ici? Oui, il y en a par ici. On est rarement coincé. Hein. Il y a suffisamment de tinikins pour faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà, on débloque le chemin. On récupère un peu plus de pollen. On peut déplacer. Pour déplacer, il faut être du bon côté. On peut déplacer ici. Si on en a qui étaient prisonniers. Parfait, on récupère des tinikins. Ah, une lettre. Comment je vais pouvoir aller là? Là, comme ça, je vois pas. Il me faudra sans doute prendre de la hauteur pour réussir à avoir cette bulle là. D'ailleurs, je suis tombée là, un petit peu. Est-ce que je peux remonter? Parce que j'ai pas fait la chose à faire. Dans ce cas-là... Puisqu'on a débloqué une liane qui nous faisait plus ou moins revenir sur notre chemin, mais qui nous débloquait aussi un autre chemin. Voilà, on pousse ici, on en profite. Et un joli pactole dans ce tiroir caché. C'est plutôt pas mal. Du coup, je suis déjà allé en bas.
me débloque les chemins. Ce qui me permet de remonter si jamais je tombe. Hop, ici je peux monter un petit peu. Je dois pouvoir monter un peu plus en fait, tout simplement. Tout simplement là où j'étais tout à l'heure. Pour obtenir les bulles de pollen qui sont par-dessus. Qui sont là. Est-ce que je prends un peu plus de hauteur? Allez, pourquoi pas. Oups. Visiblement, prendre un peu plus de hauteur n'est pas forcément la meilleure des options. Je pourrais aussi tout simplement attendre d'avoir débloqué la deuxième bulle de vol qui devrait me permettre de faire ce que je veux. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il va falloir faire, visiblement. Attendre la deuxième bulle de vol. Donc ici, on peut descendre. Ok. Il y a deux petits pollens cachés là. Deux petits pollens cachés là. Des tinikins cachés ici. Et on arrive du côté d'Instagramette. Instagramette. D'ailleurs, je suis à combien? Je suis à 27. Hein. C'était 30 qu'il nous fallait pour pouvoir y arriver. On va aller par là, puisqu'on n'est pas allé par là. C'est vraiment assez énorme hein, comme monde. D'ailleurs, en parlant de énorme, c'est cet épisode qui commence à être long. On va donc finir cette petite cachette. Et on va ensuite s'arrêter. Je vous dis à très bientôt pour la suite. On a encore pas mal à faire. Hein. J'ai avancé à peu près aucun aucune des quêtes. On a simplement fait de la récolte de pollen et puis se débloquer un petit peu des chemins. On devrait pouvoir bientôt avoir notre bulle de vol supplémentaire. Qui va nous débloquer pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !